nous avons un envoyé spécial qui se trouve avec son épouse, Carmen. Vous l'avez rencontré où, Carmen? À Limoges. À Limoges, comme ça en disant pas dans la rue ou non, au travail. Au travail, bon. Alors Carmen est avec nous également et l'enduit s'est très très mal passé. Oh, me mettez pas du Carmen, c'était un hommage à votre épouse. Hein, voilà. Ça c'était Carmen au travail. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Elle travaillait à la banque postale. Ah, voilà. Elle était à la banque postale, c'est un savoir. Et elle triait les enveloppes. Et là, il est arrivé en lui disant « Prends garde à toi !» Elle aurait dû se méfier, parce qu'elle n'a pas pris garde à elle, et en attendant le Philippe, hop. Allez, alors ça, on peut être sérieux un petit peu dans cette émission. Oui, s'il vous plaît, enfin. Bernard Sabat, merci d'être avec nous, c'est notre négociateur, qui voudrait parler un petit peu de son appendice reproducteur. Écoutons-le. L'asperge verte sans résidus de pesticides. Voilà, sans pesticides, je tiens à le dire. Pour ses futures conquêtes, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Il est rentré dans l'ère de l'écologie et il garantit un rapport sans pesticides. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Charlotte? C'est drôle, hein, ce que je dis, Charlotte. Oui, c'est hilarant. Avouez quand même que je suis hilarant. Oui, vous l'êtes. Bon, merci beaucoup. Quel est votre problème? Enfin, sans nous l'expliquer dans les grandes lignes, juste un problème de voiture, de maison. Non, de maison. De maison. Finition de construction de maison. Allez. Travaux cassés, c'est la fessée, travaux foutus, Bernard. Non. Pampan cucu. Pierre Perret ne chantait pas aux enfants des chansons grossières comme ça, mais vous êtes complètement malade, mon pauvre Bernard Sabat. Excusez-moi, ça m'a échappé. Franchement, est-ce que vous voyez Pierre Perret à la télé chanter des chansons pareilles? Non, mais vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelques minutes, il y a quelqu'un qui m'a dit, de toute façon, je vais lui coller un procès au cul en parlant de vous. Bon, et je lui dis, je pense que ça va lui faire mal, et c'est tout ce que j'ai dit, je suis resté là-dessus. Si tous ceux qui devaient m'en coller un là où je pense l'avaient fait, j'aurais pas même enfiler mon pantalon. Julien, je lui ai juste demandé une chose importante, c'est tout simplement d'envoyer la capture d'écran du débit, au moins, déjà, de cette somme-là. S'il a été débité de 1120 euros, et que ça n'a pas été sur le compte... Je suis désolé, mais de son côté, ça ne nous intéresse pas. C'est du côté, moi ce que je veux, c'est le compte de l'auditrice et les spectatrices. C'est là. Que l'argent, de Karine, que l'argent soit là-dessus. C'est tout ce que je veux voir. Lui, de son côté, il a déjà envoyé des choses comme ça. Donc, on peut pas faire confiance, Bernard. Et puis, Bernard, je vais vous dire un truc, hein. Oui, dites-moi. Faut que t'arrêtes de dire des conneries à l'antenne maintenant. Voilà. Voilà quoi, c'est clair. Excusez-moi. Oui, je règle le problème. C'est moi qui me suis insulté à cause de vous. Il a dit qu'il est passé à France Michel, Inter, maintenant. Vous êtes un homme de terrain. À un moment donné, il faut savoir prendre des responsabilités. Exactement. Vous n'auriez pas d'un homme comme ça dans votre exploitation. C'est compliqué. Eh ben voilà, Bernard. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est un agriculteur. Eh ben, je vais pas l'aider, voilà, c'est clair. Bon, allez, c'est super, je vous fais un gros bisou. Il y a derrière vous un trampoline, Yasmine. Si vous alliez nous faire deux, trois petits sauts. Ah ben, ça va pas vous mettre devant. Mesdames et messieurs, la grande Yasmine va maintenant vous montrer qu'elle est certes journaliste d'investigation, mais qu'elle a pendant longtemps été antipodiste, artiste de cirque. Elle a déjà fait. Elle a fait du vélo d'appartement. Ah bah, j'ai fait le vélo, j'ai fait l'elliptique. Elle a fait de l'elliptique. Alors attention, c'est parti. Pouvoir assurer le direct après. Est-ce que c'est solide? Attendez, on va demander l'autorisation quand même. C'est bon, solide. 500 kilos. Trop tard, j'y suis, Julien. Allez-y, sautez. Suis, Julien, c'est parti, regardez ça. Voilà une femme heureuse. Regardez. Quelle émission vous propose ça? Aucune autre. Allez, à tout à l'heure, Yasmine. Nous avons Sylvain Baron. Nous sommes bien contents qu'il ne soit pas sur le trampoline parce que là, pour le coup, je n'aurais pas donné cher de votre trampoline. Il interviendra et nous dira ce qu'il pense de cette maison. C'est des belles négociations, ça. Oh, je suis tellement content pour vous, monsieur. Oui, moi aussi, je suis vraiment ravi, et voilà, je croise les doigts pour qu'on ait, on puisse aller. On peut rentrer à combien dans le jacuzzi? Merci pour votre aide. Là, le problème, c'est que, il arrive à un moment donné où il a, il était dans le bassin. Il est tombé, Julien. Il est tombé dans le bassin, et malheureusement, il était en train de se noyer. Bravo à mon équipe préférée, en backstage sur le plateau, de faire avancer les dossiers. Et bien maintenant. Game over.